Bonjour Georges, on vient vous voir. Vous nous avez appris une bien triste nouvelle. Hier, l'Inamix s'est éteint à 29 ans. Oui, malheureusement, il est mort. Avant-hier, c'était un cheval. C'était un cheval qui a beaucoup servi l'élevage Lagardère, surtout. Nous l'avions acheté en 2006, en 2005, quand Lagacan a acheté l'élevage Lagardère. Et il est resté 2 ans au Haras, je crois. Il est devenu infertile. Il est resté à la retraite au Haras d'Ouilly, très confortablement. Mais là, il commençait à être un petit peu âgé. Dans les 2 dernières années, on sentait que c'était un petit peu la fin. Et puis il est mort. On l'a aidé à mourir quand même parce qu'il ne pouvait plus se relever. Enfin voilà. Mais bon, en tout cas, ça s'est très bien passé. Voilà. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce superbe étalon ? Bon, c'est un étalon exceptionnel français qui n'a peut-être pas eu le succès qu'il aurait dû avoir à l'étranger parce que. À l'époque, les chevaux français ne saisissaient sans doute pas suffisamment de juments étrangères. Mais c'est un cheval remarquable. Il a des statistiques extraordinaires que très peu de chevaux ont réussi à avoir. Certains diront qu'il a surtout fonctionné avec les juments Lagardère. Pas tout à fait vrai quand même. C'était un cheval exceptionnel et qui marque toujours beaucoup toute la jumenterie française à travers ses filles. C'était un très bon père de mère aussi. Il nous en reste quand même quelques-unes, ou des petites filles. Et elles sont toujours assez efficaces. Et vous le préférez, l'Inamix, en père de père ou en père de mère ? Bon, père de père, on verra. Il y a Rajaman qui a l'air de bien se débrouiller. Il y a eu Alnamix. Enfin, il y a quelques chevaux. Il n'a peut-être pas eu trop d'opportunités en tant que père de père. Mais en tant que père de mère, en tout cas, il en a beaucoup. Et ça, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. C'est un bon père de mère. À l'heure actuelle, vous, au Zagat Consult, vous avez combien de filles de l'Inamix ? Je ne saurais pas vous dire exactement. On en a une dizaine, enfin une demi-douzaine, on va dire. Voilà, oui. Une demi-douzaine de juments, certaines plus ou moins bonnes. Enfin, ça varie. Mais on est content de les avoir et puis maintenant, on va les garder. Merci beaucoup, Georges. Ok, au revoir.